Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle session de Sportstar. Merci à vous de choisir la chaîne étoilée pour vous informer sportivement. Le plaisir est grand pour nous de vous servir au sommaire de cette édition. Nous aurons à parler de la Ligue nationale de football avec ses différents résultats et ses rendez-vous à venir prochainement. Nous vous parlerons aussi de l'actualité du monde du sport au-delà de nos frontières. Une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sportstar. On va commencer cette édition avec de la boxe au niveau international. Sachez que il s'est offert une belle victoire par KO contre le Serbe Kubrat Pulev, Anthony Joshua, que vous allez voir sur ces images, a conservé donc ses ceintures IBF, WBA, WBO et IBO. On va parler du football à présent. Sachez que les Léopards U20 ont quitté la capitale RD congolaise pour se rendre à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, pour discuter le tournoi Unifac qui se jouera du 15 décembre 2020 et prendra fin le 22 décembre de la même de l'année en cours. Et sachez que les Léopards sont dans le pool B avec le Cameroun et le Congo Brazza. Nous suivrons donc de près la performance des U20 dans cette compétition. Ligue nationale de football, à présent, on va parler transfert. Sachez que Arsène Loko, ancien milieu relayeur et ancien meneur de jeu du Daring Club Motema Pembe, s'est engagé avec le club de Al-Snar, placé cinquième au championnat d'Oman en Asie. Il a signé un contrat de 5 ans et quitte donc la RDC pour aller jouer du côté de l'Asie. Voici à présent voici quelques résultats de la Ligue nationale de football. Sachez que l'équipe de Maniema Union s'est imposée à domicile sur le score d'un but à zéro face à l'équipe de Blessing. Et Lubumbashi Sport s'est incliné sur le score de 0 but contre 1 face au Saint-Éloi Loupopo. C'était au stade Kibasa Maliba. À présent, voici quelques rendez-vous à suivre de cette Ligue nationale de football. Sachez déjà que demain, l'équipe de RCK va recevoir au stade des Martyrs de la Pentecôte l'équipe de l'AS Simba. Le Daring Club Motema Pembe va recevoir le CS Don Bosco et Sanga Balende, quant à lui, va recevoir l'équipe de Rangers. Le jour d'après, le mardi 15 décembre, l'équipe de Lubumbashi Sport va recevoir l'équipe de Dauphin Noir et l'AS Bazano, dernier du championnat, va recevoir l'équipe de Dauphin Noir. Je voulais annoncé tout à l'heure, l'équipe du CS Don Bosco sera reçue par l'équipe du Daring Club Motema Pembe. Et avant de se projeter dans ce match-là, nous proposons donc de revivre la dernière performance des hommes de Johan Kurbili. Le tout vous est proposé dans cet élément de Michel Mbayou. Et c'est la fin de la partie, un but à zéro. Toujours invaincus depuis les débuts de la saison, les hommes de Florent Ibengué ont enchaîné avec une autre victoire après celle ramenée il y a peu à Goma face au Dauphin Noir. Dès l'entame de la partie, les Moscovites se montreront maîtres du terrain. Fiston Kalala s'illustre déjà à la 9e, mais son incursion sera non concrétisée. Une minute plus tard, sur un débordement à gauche, Mustapha coupe la trajectoire d'une superbe étalonnade pour l'ouverture du score. Le Salésien vont tout donner en collectif qu'individuel sans trouver les chemins défilés. La 65e minute aurait été la bonne, mais le coup franc joué sera contré par le mur avec le bien. Pas égalisé. Il faudra encore attendre. Oh non, c'est mal joué. Veklub restera engagé techniquement et conserve son avance jusqu'au coup de sifflet final. 26 points ex aequo avec les TP Mazembe. Veklub reçoit déjà ce dimanche les Kamikazes de Simbalolaba, alors que Don Bosco sera aux prises au Daring Club Motema Pembe. On va jeter à présent un coup d'œil au classement partiel de cette Vodacom Ligue 1. Vous verrez que l'équipe de Maniema Union dans ce classement est désormais leader avec 28 points. Ils ont un match de plus que le tout-puissant Mazembe Anglebert qui pointe à la deuxième place avec 26 points. L'ASV Club est troisième avec 26 points également. Le FC Saint-Éloi Loupopo, après sa victoire face à l'équipe de Lubumbashi Sport, monte à la quatrième place et à la deuxième partie du tableau. Vous verrez qu'en bas, ça ne change pas. L'équipe
de Lubumbashi Sport reste 14e avec 7 points au compteur. Et l'équipe de Simba, quant à elle, est 15e avec 5 points, 5 petits points au compteur. Et l'équipe du groupe Bazano est aussi est bon dernier avec 5 petits points au compteur. On va parler de la CAF à présent. Sachez que pour cette édition de la Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe Anglebert et l'ASV Club de Kinshasa vont inscrire 40 joueurs à la liste de la Ligue des Champions au lieu de 30 joueurs comme d'habitude. Ils ont donc un surplus des 10 joueurs en raison de la pandémie de Covid-19. On va maintenant passer au football international. Nous allons vous proposer de voir dans ces tableaux les différents résultats des grands matchs qui se sont joués dans les championnats européens. On va commencer par l'Angleterre. Sachez que dans les derbies de Manchester, Manchester United qui recevait l'équipe de Manchester City, le score était de 0 but partout. Chelsea, quant à lui, est tombé sur la pelouse d'Everton, 1 but à 0. Et vous verrez qu'en Allemagne, l'équipe du Borussia Dortmund s'est inclinée sur une lourde marque de 5 buts à 1. Et l'équipe de Leipzig s'est imposée 2 buts à 0 face à l'équipe de Brême. Et la surprise était du côté de l'Union Berlin qui a tenu en échec l'équipe du Bayern Munich, 1 but partout. Et en France, l'Olympique de Marseille s'est imposé 2 buts à 1 face à l'AS Monaco. Les deux buts marseillais ont été inscrits par l'Argentin Dario Benedetto et le Français Florian Thauvin. Et en Espagne, vous verrez que l'équipe de Valence a été tenue en échec 2 buts partout face à Bilbao. Et le Real Madrid, quant à lui, a enchaîné une nouvelle victoire dans les derbies de Madrid face à l'Atlético de Madrid. Les Merengues se sont imposés sur le score de 2 buts à 0 avec des buts de Casemiro et de Dani Carvajal. On va donc rester en Liga. Nous allons vous proposer donc de revoir les buts madrilènes dans ces derbies de Madrid. Nous rappelons, le score était de 2 buts à 0. Nous vous laissons donc revivre les deux buts inscrits par Casemiro et Carvajal. Et les techniciens français Zinedine Zidane sauvent donc sa peau avec cette victoire dans les derbies de Madrid. On va finir cette édition de Sportstar toujours avec une nouvelle à l'international. Sachez que le Borussia Dortmund s'est séparé de son entraîneur suisse. L'entraîneur Lucien Favre du Borussia Dortmund a été remercié après avoir été giflé sur le score de 5 buts à 1 à domicile par l'équipe de Stuttgart. Vous verrez ces images-là, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice s'est vu remercier après cette lourde défaite. À noter qu'il n'a remporté aucun trophée depuis son arrivée sur les bancs du Borussia Dortmund. Ça fait déjà depuis plus de 2 ans que le technicien suisse était sur le banc du Borussia Dortmund. C'est donc par cette nouvelle-là que nous allons finir cette édition de Sportstar. Merci à vous de nous avoir suivis. Félicien Kassongo était derrière les caméras. Jeff Kalango était derrière les 1000 boutons. Il nous a permis d'arriver jusque chez vous. Joël Baniwa, c'est comme ça que je me fais appeler. Je dis merci aussi à la programmation de Freddy Tijika. Le tout sous une supervision d'Olivier Toutard. Restez donc branchés sur le programme de la chaîne Étoile. Nous nous retrouvons le mardi pour une nouvelle édition de Sportstar. Au revoir.